Bonjour tout le monde, les gens. Hein, comme d'habitude, lundi, prédiction. Alors, je sais pas si vous avez un petit peu suivi les prédictions de la semaine dernière que j'ai dites. Quand je parlais de manifestations, c'est marrant, il y a des manifestations, les gens, les journalistes n'en ont pas parlé. En l'occurrence, samedi soir, il y a eu une manifestation à Paris. C'est passé incognito. La seule chaîne qui en a parlé, vous allez me dire, ouais, c'est pro-russe, c'est RT France. C'est la seule chaîne qui en a parlé. Voilà. Bon, attendez, monsieur bébé est parti à être un petit peu casse-pied aujourd'hui. Désolé. On va faire avec, hein. Donc voilà, et là, c'est pareil, il y a une manifestation, c'est pareil, ce week-end. C'est où, c'est déjà mon cœur? La Cité des 3000 à Aulnay, une manifestation pour libérer un gars qui s'est fait arrêter après avoir tapassé un flic. Ouais, pourquoi pas? Tant qu'à faire. Vous allez me dire, hein. Là, j'ai manifesté pour défendre mon steak aussi. Bon, enfin bref. Donc voilà. Quelque part aussi, quand je disais que Macron allait bien encore nous la mettre profond, la preuve, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est en train de se faire de plus en plus, tout le monde en parle, que bon, c'est vrai que Monsieur Macron veut supprimer la... Non, t'auras pas les cartes bébé. Veut supprimer la taxe d'habitation, mais va la remplacer par autre chose. À mon avis, ça va encore nous faire encore plus mal au cul, quoi. C'est pareil, la limitation de vitesse. Tout le monde dit, mais attendez, c'est complètement débile. Et c'est vrai que si on regarde les statistiques, il y a plus de morts par le cancer ou par une autre maladie qu'en accident de voiture. Désolé, il pique sa petite crise parce que monsieur veut mes cartes. Donc il va aller avec maman. Allez, go. Il a perdu un chausson. Voilà, donc là, monsieur, en ce moment, il est intenable. En même temps, on a compris pourquoi il était à des moments se piquer des crises. C'est que monsieur, à première vue, est très sensible à tout ce qui se passe niveau climatique, surtout les tremblements de terre. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, la veille, il nous piquait des crises, il n'arrivait pas à dormir. Vous pouvez être sûr que le lendemain matin, on apprenait qu'il y avait un tremblement de terre quelque part. Le pauvre, il n'a pas fini, je crois. Donc voilà. Donc, quelque part, quand je dis qu'il y a des manifestations, hein, j'en reviens là-dessus, cherchez un peu partout sur le net, surtout RT France qui cache pas, qui cache rien, même si c'est une chaîne pro-russe. Comme certains vont me le dire. En même temps, ils font voir la vérité, quoi. Je vous dis, samedi soir, il y a une manifestation à Paris et personne n'en a parlé, que ce soit TF1, que ce soit France 2, France 3, toutes les chaînes n'en ont pas parlé. Encore moins BFM TV. Moi, personnellement, ce que j'aimerais bien, vous voyez, c'est que là, c'est à titre personnel que je dis ça, hein. C'est pas le voyant qui parle, là, c'est le citoyen. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les journalistes se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau, c'est-à-dire que l'État leur supprime les subventions et leur abattement fiscal. Il faut savoir que les journalistes ont un abattement fiscal de 65%. Eh oui, vous comprenez mieux maintenant pourquoi les journalistes caressent l'État dans le sens du poil. Ils ne veulent pas perdre leur avantage. En ce qui concerne les problèmes, oui, c'est aussi ça que je voulais parler un petit peu, de l'accident du car qui a eu lieu, je ne sais plus où, il y a eu des enfants décédés à Milas. À mon avis, ça va faire du bruit, il va y avoir des révélations de fait par des personnes dans les entourages et qui ont assisté à l'accident. Malheureusement, ça va être assez long.
Petite crise, c'est rien. Bon, allez, on va faire le tirage. Désolé, hein, monsieur, en ce moment, il est intenable. Je ne sais pas ce qu'il a, mais bon, enfin bref. Peut-être qu'il ressent des choses qui vont se passer un peu partout dans le monde et puis qui vont finir mal. Alors, Gérald m'a donné le 11. 11. La lune en droit. Laurent m'a donné le 1. La tempérance en vert. Loïc m'a donné le 6. Le jugement en droit. Édouard m'a donné le 9. Le diable en vert. Ah, déjà un bon point, c'est qu'il n'y a plus de colère. Corinne m'a donné le 17. 4, 5, 14, 15, 16, 17. La mort en droit. Alors ça, c'est très intéressant. En plus, ça se trouve au milieu du jeu. Il y a un changement qui se prépare. Sylvie, Guillaume, mon petit Guy, et Christiane m'ont donné le 8. La justice en vert, il y a beaucoup d'injustices. C'est vrai qu'en France, il y a pas mal d'injustices en ce moment. Mais j'en dirai pas plus. Oriane m'a donné le 5. L'ermite en droit. Anne-Marie m'a donné le 12. Le monde en vert. J'aurais préféré l'avoir en droit. Mais bon, tant pis. Et Lapinou m'a donné le 22. 1, 22. Le pape. En droit. Donc moi. Par rapport à tout ça, comme vous pouvez le voir en ce moment, on a le souci, c'est que par rapport à ce que l'État nous sort en France, je parle de la France, surtout, les gens commencent à s'apercevoir, commencent à ouvrir les yeux en se disant, mais putain, on va où là? Mais comme je dis, le problème c'est que les gens, tant qu'ils ont à manger dans leur assiette, que ça touche pas leur petit nombril, on va dire, quelque part, personne ne bouge. Le problème c'est que le jour où les gens vont s'apercevoir que ce qu'ils ont dans leur assiette, c'est de moins en moins, et là, ça va pas tarder, et ben là, il va peut-être avoir quelque chose qui va se passer. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des représailles, des ceci, des cela. Le truc, c'est que ils attendent qu'il y ait la police, les CRS et tout ça, l'armée, etc., bouge. Ça va pas tarder à bouger, quoi, parce que même eux, ils en ont franchement ras-le-bol, quoi. Quand vous voyez les CRS, par exemple, à Calais, qui se prennent des pavasses dans la gueule, etc., etc. Ou même se font agresser quand ils sont en civil. La preuve avec un couple qui s'est fait tabasser par de la racaille, on peut appeler ça comme ça. Désolé, hein, mais bon, il n'y a pas d'autre nom. Et que les personnes qui leur ont tapé dessus sont libérées comme si de rien n'était, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont été tabassés devant les enfants. Ça, je trouve ça inadmissible.
Il y a beaucoup de trucs comme ça d'injustice en France et on le voit tous les jours, hein, la preuve avec le policier qui a mis une claque à un migrant, il se retrouve avec 6 mois de prison ferme, quoi. Tout ça pour une claque. Alors que le mec qui a le migrant qui a violé une môme de 11 ans, il a été libéré, il a rien eu. Comme si c'était tout à fait normal qu'une môme de 11 ans se fasse violer par un migrant. On a malheureusement une justice de poids, de mesure. Comme disaient beaucoup de personnes très bien placées, on vit ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est-à-dire qu'on essaie de remplacer la population, l'État, enfin le peu de groupes qu'il y a de gens très riches. On va dire dans le monde, essaye de remplacer la population de certains pays par une population qui est malléable et qui est, on va dire, qui est facilement voilà, payé à coup de lance-pierre, payé 5 euros, etc. Et qui ont juste le droit de fermer leur gueule, quoi. En deux mots, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, il y a de plus en plus de personnes qui s'en aperçoivent. Et ça, voilà, ça va jouer dans la balance de ce qui va se passer en France. Il y a toujours cette manifestation, ces manifestations qui vont arriver, cette guerre civile. Et ça ne sera pas policiers, CRS, militaires contre la population. Ça sera la population, plus l'armée, plus la police, etc., contre l'État et contre la migration. C'est surtout ça. Parce que les gens en ont de plus en plus ras-le-bol de voir ce qui se passe. Et on va pas se voiler la face, hein. Il y a quand même en France, que je dise pas de bêtises, près de 7 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues, et pas 2 millions comme les journalistes le disent. Il y a 180 000 SDF en France, alors qu'on fait rien pour eux. Il y a plus de 6 millions de familles de mal logées. Il y a l'État, on a la France a une dette qui s'élève à plus de 2,3 milliards d'euros et on continue à en dépenser, dépenser, dépenser pour malheureusement pour les migrants. Excusez-moi, mais c'est la vérité, quoi. Quand vous voyez que l'État a dépensé, a racheté 61 hôtels Formule 1 pour justement loger des migrants, le pire c'est que les migrants se plaignent parce d'être logés dans des hôtels Formule 1 parce qu'ils n'ont pas de coin cuisine dans les chambres. Voilà, sans compter que je suis désolé, je dis ce que je pense et je dis la vérité, quoi, en même temps quelque part. Quand vous pensez que les mairies, toutes les mairies qui reçoivent des migrants dans leur commune touchent 1 000 euros par migrant. Ouais, mais en attendant, c'est qui est emmerdé derrière? C'est le français. C'est pareil, l'État, veut mettre en priorité les formations, pour les migrants. Ça veut tout dire, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, comme ils veulent. On a l'impression qu'ils veulent. L'État veut remplacer les Français par une population plus malléable. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure et depuis quelque temps, à ma façon, bien entendu. Mais là, je dis carrément ce que je pense. Donc voilà, on arrive à une situation où, en France, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, mais la cocotte minute, à un moment ou à un autre, elle va péter. Et ça va faire mal. Voilà ce que je voulais dire pour la semaine. Pour les ouvertures, hein, du site, vous regardez sur le Facebook de Cabinet Medium, il y a marqué les heures d'ouverture. Aujourd'hui, c'est de 14h jusqu'à 23h, voire minuit s'il y a du monde. Je rappelle encore une fois l'inscription, le chat public sont entièrement gratuits. Si vous ne voulez pas vous inscrire et faire simplement notre connaissance pour l'instant, vous avez la case
découvrir le site sans vous inscrire, vous serez en guest. Et ça ne vous empêche pas de discuter avec nous. Bien entendu, pas de téléphone portable, pas de téléphone et ni tablette, ça sert strictement à rien. On pourra pas, vous ne pourrez pas nous entendre. Obligatoirement avec un PC, soit un PC portable, soit un PC fixe, qui a du son et votre flash player est à jour. Ne passez pas par Google Chrome, ça sert strictement à rien, ça déconne. Ils sont en bagarre avec Flash Player, justement, pour une histoire de gros pognon. Donc passez par Opera ou Firefox. Mais avec les mises à jour. Sur ce, bon courage, bonne semaine. Et peut-être à bientôt pour sur le site.